Hello! Ramadan Mubarak, bonjour. On va attendre que les autres nous rejoignent afin qu'on fasse le point sur le Ramadan en mode COVID-19. Koto Diallo, bienvenue. Dramé Yahya, bienvenue. Aboubakar Touré, bienvenue. Bonjour Nedi Fouta. D'ici là, partagez le direct. Bonjour, bienvenue, merci de nous rejoindre. Bonjour, Sila Sila. Ça va, Nedi Fouta? Ramadan Moubarak, j'espère que tu n'as pas déjà abandonné. Parce que la montagne est très haute. Hein? Bonjour Mohamed Ayash. Bonjour Med Kera. Ça va, je vais bien. Et vous-même? Partagez le direct. Le temps que les autres nous rejoignent, on va commencer. Bonjour Touré, c'est en mode confinement. Partagez Touré, partage dans les groupes. Parce que c'est un sujet dont on doit discuter tous ensemble. Yeah.
Avi Fakoli Doumbouya. Oui, il n'y a pas de problème. Je vais être Seydi aujourd'hui. Joyeux anniversaire à la petite princesse, même si Ismaël a pris sa place. Son cadeau va venir après le confinement. Ça commence à sonner déjà, il n'y a pas de problème. J'attendais que les autres viennent, mais je sais que dès que 12h arrive là, il y en a qui ne voient plus rien. Il est à peine 11h. Il est à peine 11h, il y en a qui ne voient plus. Bonjour à tous, Ramadan Moubarak, je suis ravie de vous retrouver dans votre live show. C'est vrai que depuis le début du Ramadan, je me demande à quel moment le faire, quelle serait la bonne heure pour vous, parce que pendant le Ramadan, les gens ont des emplois du temps différents. Il y a aussi la cuisine qui prend du temps. Il y a, voilà, tout ce qu'il y a dans le Ramadan, ça perturbe un peu. Mais la plus-value cette année, c'est que le Ramadan se fait en mode confinement. Ça veut dire qu'on n'a pas forcément des obligations qui nous poussent à aller dehors, par exemple pour le travail, pour certains, même si c'est pas lié à tous les secteurs. Voilà. Laïbari, bonjour. Non, j'attendais que d'autres nous rejoignent. C'est ça, pour ne pas qu'ils ratent aussi ce qui se dit, en fait. Voilà, c'est pourquoi on attendait un peu que les autres nous rejoignent. Donc, pour revenir au sujet, c'est pour discuter un peu de comment vous vivez le Ramadan en mode confinement, et aussi ensemble on va discuter d'une heure qui sera bien pour vous, pour les directs, parce que c'est pas évident, chacun a un emploi du temps et donc les gens ont vraiment du mal à s'organiser par rapport aux mêmes heures, sachant que les fuseaux horaires sont différents et tout ce qui s'ensuit. Et donc ceux qui viennent de nous rejoindre, Ramadan Moubarak. Donc avant de commencer, j'aimerais d'abord que je vais donner 3 heures, ok, 3 fourchettes d'heures. Et la fourchette d'heures qui vous arrange, vous me mettrez ça en commentaire. Et ensuite, moi, je vais faire un récapitulatif pour voir quelle est l'heure globale qui arrange les gens. Et je vais baser ces heures-là sur, comment dirais-je, le GMT. Le GMT, en fonction du GMT maintenant, nous allons programmer pour les personnes qui se trouvent dans les autres pays, en Amérique du Nord, en Europe, etc. Alors, en réfléchissant, je me suis dit que, bon, comme on est en mode confinement, mode maison, probablement à 11h, ça trouve que les gens sont quand même déjà bien réveillés et les travaux de ménage n'ont pas forcément commencé au niveau de la cuisine et l'heure de prière, Zuhur, n'est pas encore arrivée. Donc je me suis dit peut-être qu'on pourra le faire à 11h. Ça c'est une première proposition, 11h. La deuxième proposition c'est 15h, c'est-à-dire après la prière de Zohar. Mais je suppose que beaucoup n'auront pas d'énergie à écouter et puis bon, les femmes iront cuisiner et notre direct se veut inclusif. Tout le monde doit être là, tout le monde peut participer. Et donc, la troisième heure, c'est 21h GMT. 21h GMT, je suppose que ça trouve que tout le monde a fini de prier Isha. Les gros mangeurs ont fini d'avaler au moins 3-4 plats. 21h, c'est l'heure de digestion. Alors, j'ai 3 heures à vous proposer. Vous allez me mettre en commentaire l'heure qui vous arrange en cette période de Ramadan. La première proposition de plage horaire,
c'est 11h GMT. La deuxième proposition de plage horaire, c'est 15h GMT. Et la troisième proposition de plage horaire, c'est 21h GMT. Mettez en commentaire l'heure qui vous arrange. Si ce sont les trois aussi qui vous arrangent, mettez-le en commentaire pour qu'on puisse, à la prochaine fois qu'on fait un direct, savoir quelle serait l'heure propice pour vous en cette période de Ramadan pour discuter de sujets qui vous intéressent. Vous pouvez aussi proposer des sujets, il n'y a pas de problème. Comme je vous l'ai dit, ce live show est un live inclusif. Il est fait pour vous et par vous. Et donc, mettez-le en commentaire les propositions d'heures qui vous arrangent. Donc, je répète, 11h GMT, c'est-à-dire avant la prière de Zuhr, 15h GMT, après la prière de Zuhr, avant Asr, ou 21h GMT, après la prière d'Isha. Et donc, mettez en commentaire l'heure qui vous arrange en cette période de Ramadan. Nedi Fouta, j'essaie de calmer mes oreilles, mais impossible, trop pressé pour entendre. Ok, ok, pas de problème. Ah, bonjour, Jules de Diallo. Et donc, comme je le disais, avant qu'on ne passe au sujet proprement dit, j'aimerais avoir votre avis sur les heures. Parce que en cette période de Ramadan, le calendrier est chargé et c'est, les calendriers aussi sont différents. Et donc, j'ai trois propositions à vous faire. 11h GMT, 15h GMT ou 21h GMT. Vous mettez ça en commentaire. Ensuite, je vais voir l'heure qui a arrangé beaucoup plus de personnes. On va caler notre direct en fonction de ce moment, en fait, propice à chacun. Donc, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. 11h pour le direct pendant le Ramadan, 15h ou bien 21h. Ami Fakoli dit que 15h, les tourés ne comprennent plus rien. Ned, et tu as vu, Nedi Fouta aussi dit 15h, j'aurai la force, mais. Ok. Donc, non, moi, 15h, j'ai la force. J'ai la force jusqu'à 21h, il n'y a pas de problème pour moi. Jusqu'à 21h, il n'y a pas de problème. On peut gêner jusqu'à 21h. 15h, c'est petit pour moi. ce sont les Touré et les Doumbouya là qui se plaignent. Sinon, il y a fouille. Il y a fouille. Donc, continuez à mettre en commentaire. Et puis, moi, je vais poursuivre le thème du jour. Le thème du jour, c'est le Ramadan en mode confinement. Je ne vais pas vous tenir longtemps en haleine parce que non seulement c'est le Ramadan, c'est vendredi. Bientôt la prière. Et donc, c'est juste pour échanger avec vous, pour voir comment vous vivez ce Ramadan-là. Parce que il y a beaucoup qui m'écrivent, qui me disent, mais Fatoumata, le gouvernement a interdit les rassemblements, mais on dirait qu'il y en a qui prient encore dans les mosquées. Est-ce que vous avez remarqué ça? Parce que j'aimerais confirmer avec vous aussi. J'ai eu des informations qui révèlent que certaines mosquées ouvre clandestinement et que des gens partent prier là-bas et parfois même coupent le Ramadan là-bas. Est-ce que vous avez de telles informations? Si oui, écrivez s'il vous plaît. Parce qu'il faut que chacun sache ce qui se passe. Certaines informations révèlent que certaines mosquées sont ouvertes de manière clandestine et que les gens continuent à se rassembler dans ces lieux-là. Est-ce que vous avez pu constater ce genre de situation dans votre quartier, autour de vous, ou est-ce que quelqu'un d'autre vous en a parlé? Parce qu'il est très important que nous jouions le rôle de veille citoyenne. On a vraiment besoin de jouer de veille citoyenne parce que la question du COVID-19 nous touche tous. Si quelqu'un est contaminé dans notre entourage, nous serons tous contaminés. Surtout en cette période de Ramadan. Donc, j'ai besoin, en fait, de comprendre. Est-ce que vous avez pu constater ce genre de phénomène autour de vous? Moi, j'ai des informations que je reçois que certaines mosquées de quartier ouvrent clandestinement. Vrai
ou faux, ou est-ce que vous pouvez donner des exemples? Est-ce que vous avez entendu ou constaté? Pourquoi je pose cette question-là? Parce que nous sommes en période de pandémie. Je ne sais pas si le mot pandémie est assez connu en fait. Parce que j'ai l'impression que les populations continuent à ne pas penser à la dangerosité du mot pandémie et de ce qu'il impacte en fait. Par pandémie déjà, c'est une épidémie qui a touché plusieurs pays en même temps. Une épidémie qui a mis ses tentacules un peu partout dans le monde. Et donc ça veut dire que c'est un virus qui n'est pas encore arrêté, c'est un virus qui est encore en mode propagation. Et donc, si certaines personnes, malgré qu'il y ait des restrictions par rapport à l'ouverture des mosquées, se cachent quand même pour aller ouvrir des mosquées clandestinement dans les quartiers, ça, c'est grave. Donc j'aimerais, si vous avez eu des cas comme ça dans vos quartiers, ou si vous avez entendu parler, partagez en commentaire pour qu'on puisse identifier ces endroits-là. Parce qu'actuellement, même les mosquées de la Mecque ne sont pas ouvertes au public. Pour cause de crise sanitaire. Pour cause de crise sanitaire. Il n'y a que le personnel qui nettoie, qui prie là-bas. Personne d'autre n'entre là-bas. Pourquoi nous, en Guinée, on n'arrive pas à comprendre que cette période de crise n'est pas opportune pour que les gens se retrouvent ensemble dans la mosquée? Vous savez déjà, quand on prie dans la mosquée, on oublie nos différences. Ce sont les valeurs sociales. Les gens se saluent, les gens parlent ensemble et tout ça. On oublie même en fait qu'on est malade, on oublie qu'on est en période de pandémie. Et donc, imaginez une situation de Ramadan. Ensemble dans une mosquée, quel que soit X, tu vas t'adresser à ton ami musulman. Quel que soit X, tu vas échanger avec lui pour savoir qu'est-ce qui ne va pas, comment il vit la situation. Il y a Ami qui dit, j'ai remarqué que ceux qui prient dans leur concession ne respectent pas la distanciation. Les gens sont trop collés les uns aux autres, ce qui n'est pas bien. Oui, il y a des gens qui s'obstinent encore. Voilà. Si chacun, c'est-à-dire nous sommes en période d'épidémie, il faut que les gens comprennent ça. Pendant les situations d'épidémie, ce sont des périodes exceptionnelles et donc même la religion est touchée par ça. Il faut qu'on comprenne que le fait qu'on prie dans la maison, cela ne diminue pas la valeur de notre prière. C'est vrai qu'il est encouragé de prier en groupe, de prier ensemble, parce que c'est ce qu'on appelle la communion. Mais en période spéciale, on est autorisé à prier seul. Ne pensez pas qu'en priant forcément à la mosquée ou avec les gens, c'est comme ça que les gens vont comprendre que vous priez. Non, vous n'avez pas besoin de vous affirmer devant les hommes. Vous avez besoin de vous affirmer devant Dieu. Il n'y a qu'à Dieu que vous rendez compte. Donc, si vous pouvez prier dans la maison, juste avec votre petite famille, cellule familiale, pourquoi pas? Parce qu'au moins, dans la famille, vous savez qui est guéri, qui ne l'est pas. Dans la maisonnée, on sait que si tout le monde est en santé, on peut prier ensemble là-bas. Pourquoi aller s'exposer dehors pour soi-disant prier au regard de tous? En fait, tout est dans la tête, en fait. Tout est dans la tête. Ce n'est pas parce qu'on prie dehors ou à la mosquée qu'on prie mieux que les autres. Sachez que nous sommes dans une période spéciale et que même si vous priez seul cette fois-ci, c'est bien, il n'y a pas de problème. Vous ne prenez pas de péché en priant seul ou en priant juste avec votre famille parce qu'au moins à l'intérieur de la maison, vous connaissez le statut sanitaire des gens. Mais si vous vous obstinez à aller prier dehors, à aller vous cacher clandestinement, à aller prier dans la mosquée en pensant que votre prière aura plus de valeur là-bas, mais on est en période d'épidémie. En période d'épidémie, on est en période exceptionnelle. Si on n'était pas en période d'épidémie, bien sûr, on allait encourager les gens à prier ensemble. Parce que l'islam, c'est la communauté. L'islam, c'est prier ensemble. L'islam, c'est prendre les nouvelles les uns des autres. C'est prendre les nouvelles les uns des autres.
Permettez-moi, je reviens tout de suite. Je vais couper l'alarme là rapidement. Hein? C'est l'annonce de l'heure de la prière. Je reviens là. J'ai une application qui sonne quand l'heure de la prière arrive. C'est ce qui se mettait à sonner. Et donc, comme je le disais, pendant cette période spéciale, n'ayons pas honte de prier à la maison. Ce n'est pas grave. Priez dans votre chambre s'il faut. Tant que vous pouvez protéger la vie de vos frères et sœurs en islam. Imaginez que vous soyez malade et que vous soyez dans une prière commune. Vous contaminez des gens et que ces personnes-là puissent être malades alors qu'elles sont le pilier de leur famille. Et que finalement, cette personne finit par mourir. Vous voyez un peu les conséquences? Vous pensez qu'en allant prier, vous avez bien fait, mais vous avez commis plus de tort à celui qui est dehors que la baraka que vous recherchez. Donc, vraiment, vraiment, restons à la maison, prions à la maison. C'est vrai que le ramadan, on le ressent quand on est en communauté, mais nous sommes dans une période exceptionnelle. Acceptons cela parce que Dieu lui-même nous impose des situations très, très dures pour nous mettre à l'épreuve. Nous ne sommes pas la première génération d'humains qui sont confrontés à la difficulté. Le monde entier a connu des épidémies, des maladies. Même pendant les disciples du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, qui sont battus, ont été confrontés à la difficulté, à la faim. Certaines fois, ils n'avaient qu'une seule date. Malgré ça, ils mangeaient ça et le lendemain, ils jeûnaient. Ils jeûnaient en période de guerre. Ils jeûnaient dans la difficulté, dans la maladie. Dieu nous a imposé cette situation d'épidémie. Acceptons ça, c'est momentané, ça va bientôt passer. Mais restons à la maison. Restons à la maison. Alors, en période d'épidémie, on est obligé de respecter les règles. Lavons nos mains. Lavons nos mains avec l'eau et le savon et avec du désinfectant. Mais ne mettez pas les désinfectants dans les bouilloires parce que... Je connais les Bangoura, ils vont faire ça. Ils vont dire, bon, comme je dois prendre les ablutions, en même temps, je vais mettre des désinfectants dans la bouilloire. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Mais par ailleurs, désinfectez les bouilloires chaque fois. Parce que vous n'êtes pas les seuls qui priez avec la bouilloire. Ou en tout cas, si vous pouvez faire de telle sorte que tout le monde dans la famille ait sa propre bouilloire, ça sera super. C'est la plus-value. Il ne faut pas profiter de l'ablution pour mettre l'eau de Javel dans la bouilloire. Parce que les tourés, les Bangoura, c'est leur rôle ça. C'est leur rôle. Ils vont mettre même l'eau de Javel dans la bouche pour se rincer. Et donc, même si vous êtes deux dans la maison, priez ensemble. Si vous êtes seul, priez seul pendant cette période d'épidémie. Vous protégez. Vous protégez la vie des autres personnes parce que les personnes qui sont dehors, en voulant trop bien faire, vous allez les contaminer et malheureusement, ces familles vont perdre leurs bras valides. Et ça ne sera pas très bien parce que vous savez que les familles comptent les unes sur les autres. Et donc, si une personne arrivait à perdre la vie, c'est toute la cellule familiale qui sera vraiment affaissée. Et donc, acceptons cette période-là. Ce n'est que momentané. Ce n'est que momentané, ça va passer très vite. Dieu ne nous impose rien qu'il ne puisse nous aider à résoudre. Notre temps, c'est ça, c'était notre destin que nous allons vivre cette situation assez compliquée, assez... Vraiment, on ne sait même pas à quel sens se vouer. Je peux dire que c'est la première fois qu'une crise d'origine mondiale arrive à toucher tout le monde en même temps. Et que même les grandes puissances, ils ne savent même pas quoi faire. Priez à la maison. Restez à la maison. Si vous avez des informations relatives à certaines mosquées qui sont clandestinement ouvertes, signalez-les. Signalez-les parce que c'est pour votre bien. Si vous ne les signalez pas, les mêmes personnes qui vont prier dans ces mosquées, si elles arrivent à être contaminées, et que par malheur, vous les receviez à la maison, vous serez contaminés. Vous serez contaminés. Tout le monde préfère faire le ramadan dans une ambiance
populaire avec la communauté, manger ensemble, partager les mets et tout. Yann dit, restez à la maison. Restez à la maison. Ceux que vous voyez partir clandestinement prier, ne les laissez pas faire parce que votre santé est en danger. Et la santé de vos familles sont également menacées. Donc faites attention à cela. Pendant les périodes d'épidémie, nous devons être les observateurs de notre communauté en fait. Nous devons avoir un regard sur ce qui se passe dans notre communauté. Un regard très alerte. Parce que ce qui touche les autres nous touche aussi. C'est vrai que pendant le ramadan, on a l'habitude d'envoyer sunnagati aux gens. Pendant le ramadan, on cuisine, on visite les gens pour savoir comment ils vont. Alors si cette année, vous n'arrivez pas à vous rendre chez quelqu'un, à envoyer le sunnagati, vous pouvez transformer la valeur en fait de ce repas-là en un transfert. Je pense que ça fera plaisir à la personne. Appelez la personne, salam alaikum, bonjour, voici ton sunnagati, je t'ai fait un dépôt. La petite joie que ça va procurer à la personne, je pense que ça sera extraordinaire, vous aurez la baraka là. N'allez pas vouloir cuisiner, déposer et pendant le chemin ou arriver chez la personne, que vous soyez en risque. Appelez-le ou elle, vous dites bonjour. Chers frères et sœurs en islam, cette année, je n'ai pas pu te rendre visite, mais voici ton sunnagati. Je t'ai fait un dépôt. Je pense que ça va lui faire plaisir. Ça va lui faire plaisir. Ou à travers certaines banques électroniques, il y a des codes marchands. Si vous avez le code marchand d'un boutiquier, vous pouvez dire à la personne, passe prendre telle chose, j'ai laissé de l'argent avec le boutiquier. La personne prend, elle va, elle te remercie. Il n'y a aucun problème. Pendant cette période épidémiologique, il y a beaucoup de mendiants qui n'ont pas à manger et qui souhaitent juste avoir de quoi à couper le ramadan. C'est en cela l'importance des mosquées parce que beaucoup de mosquées dans les quartiers surtout, les familles venaient déposer des repas à 19h afin que d'autres personnes qui n'ont pas pu couper le ramadan à la maison ou des personnes qui n'ont pas eu de dépenses ce jour puissent couper le ramadan. C'est vrai que ça nous enlève ce petit côté-là parce que beaucoup de quartiers vivent de manière très structurée. Pendant le ramadan, certaines familles préparent et déposent les repas dans les mosquées. Mais cette année, avec cette période spéciale, ça ne sera pas du tout facile. Mais autour de vous, vous connaissez les familles qui sont dans le besoin. Si vous pouvez aller leur remettre quelque chose discrètement ou leur faire un dépôt ou leur dire de passer chez un magasinier pour prendre quelques vivres comme le riz, le sucre, le lait, l'huile en fait, tout ce que vous pouvez, ça serait mieux en fait que de cuisiner, de se déplacer parce qu'on est en période d'épidémie. En période d'épidémie, il n'est même pas recommandé que les aliments passent de personne en personne et de milieu en milieu. Donc, comprenons cela. Quand on parle de pandémie, sachez que c'est très, très grave. C'est très, très grave parce que cette fois-ci, on parle de pandémie. La pandémie, quand ça te touche, quel que soit ta religion, que tu sois celui qui prie le plus dans la maison, que tu sois l'imam et tout, l'épidémie ne laisse pas. L'épidémie ne laisse pas. Et donc, notre plus grande protection, c'est de prier Dieu de nous épargner, mais tout en respectant les mesures d'hygiène. On ne peut pas se jeter dans la forêt en espérant ne pas être mangé par le loup. Si on doit affronter le loup, il faut qu'on soit prêt à avoir la même force que le loup et avoir plus de tactique que le loup. Donc, on doit comprendre ça. Nous sommes en période de pandémie. Respectons les règles d'hygiène. N'allons pas clandestinement prier. Que prier à la maison ne vous fasse pas honte. Ça ne fait pas de vous un demi-musulman. Parce que ce n'est que face à Dieu que vous rendez compte.
Ne pensez pas qu'en portant le boubou et en sortant aller prier à 19h là, pour que tout le monde vous voie dans le quartier, ça veut dire que oui, tu as jeûné, ça veut dire oui, tu as prié. Non, tu peux prier à la maison, même si vous êtes deux, mari et femme, vous pouvez prier à la maison. Si mari, femme, enfant, vous pouvez prier à la maison. Parce que même quand vous vous mettez en concession, ce n'est pas très rassurant. Parce que dans la même concession, il y a plusieurs familles. Et dans ces familles, tout le monde a différentes activités. Vous ne connaissez pas le statut sanitaire de chacun. Quelqu'un peut s'être rendu dans un taxi et peut-être qu'il a été contaminé. Une autre personne peut avoir été peut-être au marché et être contaminée sans le savoir. Et le soir, vous priez ensemble dans la même concession. Donc, je dirais aussi à ceux qui habitent en concession, ne voyez pas la méchanceté en celui qui se met en retrait pour prier. On est dans une période spéciale. Ne dites pas à la personne, ah, abara yete kan fin di fotera, hein, bin sali ma be, atambara sa nyawumbangu kui, hein, allô, non. Si la personne a décidé d'aller prier à la maison pour se protéger et de protéger sa famille, ne jugez pas cette personne-là. Parce que malheureusement, dans nos familles en Guinée, il y a beaucoup de jugements, surtout dans les concessions. Si quelqu'un décide tout de suite d'aller prier avec sa famille dans la maison, ils vont dire, ah, cette personne-là se croit au-dessus de nous dans cette cour-là. Tout le monde prie ensemble et lui, il est parti prier dans sa maison. Ne jugez pas la personne parce que cette personne-là veut se protéger. Peut-être qu'en se mettant même en retrait, la personne essaie, vous, de vous protéger. Essayez-vous de vous protéger. Donc, comprenons que nous sommes dans une période spéciale et pendant les périodes spéciales, il y a des mesures que nous devons respecter. Même dans la religion, lorsque quelqu'un est malade, il avait été dit au temps du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, de le mettre en retrait. Mettre en retrait la personne, c'est quarantaine ça. Donc, si tu te sens malade, ne pars pas à la mosquée parce que toi seul, tu vas contaminer des milliers de musulmans et tu vas prendre beaucoup de haquets en pensant que toi, tu es parti fortifier ta foi, mais tu vas rendre malade la personne. Et si la personne n'a pas beaucoup d'argent, la petite somme que cette personne a, elle va la dépenser dans la santé. Et si cet argent-là devait servir à nourrir sa famille va passer la journée dans la faim. Et plus les enfants vont pleurer qu'ils ont faim, plus vous aurez doublement, doublement de haquets dans ça. Parce que c'est vous, étant une personne malade, qui vous êtes rendu dans la prière. Même si c'est le rhume. Quand vous avez le rhume, la grippe par exemple, la grippe est virale. Elle est même plus rapide que le COVID. En tout cas, avant que le COVID ne vienne, la grippe la plus rapide, c'était. Pardon, le virus le plus rapide dans la contamination, c'était la grippe. Tu tousses une fois, c'est fini. Tout le monde est contaminé. Donc imagine que tu aies la grippe et que tu partes à la mosquée, tu tousses et puis tu contamines tout le monde. Ça veut dire que s'il y avait 1 000 fidèles dans la mosquée, tu as contaminé tout le monde. Tu vas prendre du haquet. Et donc acceptons cette fois-ci de prier à la maison. Acceptons cette fois-ci de respecter les règles d'hygiène. Ce n'est que momentané. Dieu nous met à l'épreuve. Toutes les générations sont mises à l'épreuve. 2020, c'est notre épreuve, ça. Connaître une crise qui va tout arrêter dans le monde entier. Et ça s'est fait. Je pense que le monde entier va retenir que ça ne s'est jamais passé. Parce que d'habitude, les crises sont isolées. Deux continents peuvent être touchés, trois continents, mais pas tous les pays en même temps, jusqu'à ce que tout s'arrête. C'est la première fois que ça se passe, en tout cas, depuis que moi je suis née, c'est la première fois que j'ai constaté ça. Et je suis sûre que c'est la même chose pour vous. Et donc, sachant que on a été éprouvés, et donc passons ce temps-là à ne pas chercher ce qu'on appelle chez nous le guéré-guéré. Parce que guéré-guéré, là, c'est nous qui cherchons. Si on sort dehors pour aller provoquer, on est pendant la période d'épidémie. Dieu a fait que ça se passe en période de confinement. Ça veut dire que tu peux passer ton ramadan sans insulter. Tu peux passer ton ramadan sans médire. Dire le nom de quelqu'un. Tu peux passer ton ramadan sans mettre tes yeux dans l'affaire de l'autre. Tu peux passer ton ramadan sans critiquer. Tu peux faire ton ramadan sans prendre de haquet. Parce que tous les jours, les actes qu'on pose, sans le faire exprès, on peut prendre du haquet.
même la parole, même pendant le direct, je peux dire quelque chose et que ça heurte quelqu'un alors que je n'ai pas pensé comme ça. Donc imaginez, tu sors, même quand tu t'assois dans le taxi, tu pousses la personne d'une manière sans le faire exprès, ça va faire mal à la personne. Tu vas prendre du haké parce que la personne n'a pas exprimé que tu lui as fait du mal. Pourtant, toi, tu l'as fait sans t'en rendre compte. Et donc, si l'extérieur, c'est-à-dire tout ce qui est dehors, l'environnement extérieur, sortir, se disputer avec les gens, se disputer avec le chauffeur de taxi, se disputer au marché, Dieu a fait que ce ramadan se passe en confinement et que tout le monde peut être chez lui et que vraiment, vous n'avez pas ni le temps ni l'espace de vous discuter, de vous insulter. Louange à Dieu. Louange à Dieu. Profitons de cela pour épier tous nos péchés. Parce que cette année, ça va nous permettre de passer notre ramadan en retrait, en priant, en faisant tout ce qu'on a à faire à la maison, sans provoquer, sans rien, parce que je ne sais même pas, le ramadan, Shaitan est attaché, mais les gens continuent à se disputer. Tous les jours, les gens sont énervés. Tous les jours, les gens s'insultent. Il arrive parfois d'entendre vraiment des injures que tu n'entends même pas quand ce n'est pas le ramadan. Il y a une année, j'ai entendu plusieurs groupes de jeunes s'insulter. En plein ramadan, à 17h, à 2 jours de la coupure, j'ai dû fermer la porte, fermer la fenêtre, parce que même le fait que moi-même j'écoute là, ces injures, ça peut être du hacker. J'entendais des injures, ça insultait, ça frappait, ça se battait. Ça insultait père et mère, j'étais choquée. Donc les gens, c'est-à-dire, c'est comme si pendant le ramadan, ils n'avaient plus de retenue. Et que pour un seul mot, un seul acte, les gens s'énervent, s'insultent, se battent. Et donc cette année, on a la chance de passer le ramadan dans la maison. Cela ne nous empêche pas de prendre le téléphone, d'appeler pour socialiser. Heureusement, on a Facebook, on a Messenger. Vous pouvez appeler pour prendre des nouvelles des personnes que vous avez l'habitude de visiter, mais que vous n'avez pas pu visiter. À travers ces appels, vous saurez leur situation, est-ce que ça va, est-ce que ça va pas. Et si vous le pouvez, vous leur faites une petite surprise en dépôt. La personne n'en sera qu'heureuse et va vous faire plein de doigts. Et c'est ce qu'on recherche pendant ce ramadan. D'ailleurs, tous les jours, mais spécifiquement pendant le ramadan, on recherche des doigts, on recherche la baraka. Et donc, si on peut faire le ramadan sans heurter l'autre, faisons de telle sorte que ce ramadan se passe de la meilleure des manières. Et donc, pour rappel, j'avais posé la question au début du direct, à quel moment vous souhaitez qu'on fasse le direct pendant ce ramadan? J'ai proposé 3 plages horaires. 11h, c'est-à-dire avant la prière de Zoh. 15h, c'est-à-dire après la prière de Zoh. Ou 21h, après la prière de Isha. Donc, même si je coupe le direct tout à l'heure, n'hésitez pas à mettre en commentaire la plage horaire qui vous intéresse et qui serait mieux pour vous. Parce que je veux que le direct soit inclusif. Parce que les femmes cuisinent le soir, beaucoup seront mobilisées là-bas. Et donc, ça dépend. C'est vrai que beaucoup passent du temps à cuisiner plusieurs choses en même temps. Et donc, elles pourront commencer depuis 12h jusqu'à 18h. Elles ne seront pas libérées. Il y a d'autres aussi qui commencent à 16h pour finir à 18h. Il y en a aussi 17h. Ça dépend en fait de la grandeur de la famille et aussi de ce que vous préparez. Mais n'oubliez pas, on peut rationner pendant le ramadan. Parce que le ramadan, c'est aussi une question de ration, une question de réduire les péchés, une question, en tout cas, de vivre de manière à partager autour de nous. Mais comme on n'a pas cette possibilité de partager à cause du ramadan, on peut, si on le peut, donner des mets. Comme je l'ai dit, voici quelques propositions. Vous pouvez envoyer la valeur du repas par Orange ou MTN. Ou
vous pouvez donner le code marchand d'un boutiquier. La personne fait le dépôt là-bas et vient prendre les vivres dont il a besoin. Et si vous le pouvez, vous faites des dons aux mendiants, parce que même en période d'épidémie, eux, ils restent des personnes vulnérables. Ils ont besoin de nourrir leur famille. Et donc, voilà les points que je voulais partager avec vous, tout en vous souhaitant un bon ramadan. Je sais que les camarades commencent à compter déjà 1, 2, 3. Aujourd'hui, on est le premier jour, on est le deuxième jour, on est le troisième jour. Sachez que le ramadan ne va pas finir avant la fête de l'Union africaine. Il faut mettre ça dans votre tête. C'est plus simple. La fête de l'Union africaine, c'est le 25. Et donc, ce sera peut-être le lendemain de la fête. Donc, mettez dans votre tête. Ne comptez même pas. Ne comptez même pas. Ne comptez pas. Ne faites pas le décompte ni rien. Le ramadan, c'est jusqu'à la fête de l'Union africaine. Et vous savez que la fête de l'Union africaine, c'est le 25 mai. Et donc, ne vous mettez pas à décompter. On est encore loin. Aujourd'hui, c'est le 1er mai. Aujourd'hui, c'est le 1er mai. C'est la fête du travail. Fête du travail en mode confinement. Moi, je l'appelle la fête du télétravail parce que coronavirus a réinventé la façon de travailler. Et donc, aujourd'hui, c'est le 1er mai. Sachez que ce n'est qu'à partir de la fête de l'Union africaine qu'on peut considérer que le ramadan est fini. Et donc, ne vous mettez pas à compter. C'est vrai qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ça fait une semaine parce qu'on a commencé vendredi dernier. Que Dieu nous donne la force et la santé nécessaires pour terminer ce ramadan. Ceux qui ont perdu leur vie, qu'Allah leur accorde toute sa grâce. Toutes les personnes qui sont malades, je prie qu'il recouvre leur santé. Toutes les personnes qui sont affectées de près ou de loin par la maladie, je prie qu'ils s'en sortent. Tous ceux qui sont à l'hôpital Donka et dans les autres CTE, je prie que vous retrouviez votre santé. Et qu'Allah éclaire notre personnel de santé. Partout dans le monde entier, aujourd'hui, nos vies sont dans les mains de Dieu. Mais dans les hôpitaux aussi, ce sont les médecins qui nous gèrent. Et donc, prions que Dieu les éclaire, que Dieu leur donne la chance et l'opportunité de pouvoir combattre cette maladie et surtout la force de résister, de ne pas baisser les bras. Parce que actuellement, le monde entier est dans les mains des médecins et des scientifiques, tout en se remettant au Tout-Puissant, le Maître des cieux. Donc nous prions qu'il nous aide à sortir de cette maladie, parce que cette épreuve, c'est lui qui nous l'a imposée. Et donc ce n'est que lui qu'on doit prier pour qu'il nous sorte de cette maladie-là, que le monde entier a connue. J'espère que cette épidémie va permettre à ceux qui n'ont pas la foi de comprendre qu'il y a un Tout-Puissant au-delà de tout ce qu'on fait. Parce que ni les scientifiques, ni les grandes puissances ne s'attendaient à cette crise mondiale qui les a d'ailleurs dépassés. Et donc, sachant qu'au-delà de ce qu'on fait sur terre, il y a Dieu, le maître des cieux, le maître de toutes les planètes, qui peut décider de faire ce qu'il veut de nous, parce que c'est comme ça. Et donc, ayons la foi, prions pour que les autres recouvrent leur santé, parce que moins la chaîne de contamination sera longue, plus nous sauverons des vies. Et n'oubliez pas, lavez vos mains. C'est très important. C'est vrai qu'avec le ramadan, on est tout le temps en ablution. Mais n'oublions pas de laver nos mains. Lavons nos mains. Parce qu'on ne met pas l'eau de Javel dans les ablutions. Vous savez déjà que l'eau de l'ablution ne doit avoir aucune odeur. Et le contenant doit être aussi indolore. Et donc, ne mettez pas l'eau de Javel dans l'eau de l'ablution en pensant que vous faites tout en un. Non. Lavez-vous proprement les mains à l'eau et au savon et au désinfectant. Ensuite, prenez de l'eau potable pour faire vos ablutions. Et entre les prières aussi, n'hésitez pas à toujours laver vos mains à l'eau et au savon et au désinfectant.
Et s'il vous arrive d'avoir une course dehors, n'oubliez pas de mettre en fait vos masques. Mettez vos masques. Mettez les masques. Ne mettez pas les masques Papa Wemba. Les masques Papa Wemba. C'est-à-dire quand tu mets le masque est tellement grand que même on peut même faire rentrer une main dedans. Ne mettez pas les masques Papa Wemba. Mettez les masques qui vont avec votre taille de visage. Sinon, si le masque est trop grand, certaines particules vont s'insérer et vous ne serez pas à l'abri du virus. Ne portez pas aussi des masques slim, façon sexy, genre cool. Ça ne va pas couvrir tout le visage. C'est trop petit, le nez ne va pas être couvert, la bouche aussi ne va pas être couverte. Et donc, prenez des medium size, c'est-à-dire des tailles qui conviennent à votre visage. Le masque doit couvrir en fait votre bouche, votre nez. Ne prenez pas les masques Papa Wemba, les masques trop grands, jusqu'à ce qu'on puisse mettre la main dedans, ou bien les masques skinny, les masques slim. Donc, en enlevant les masques aussi, faites très attention. En les enlevant, faites très attention, ne touchez pas la devanture. Et dès que vous l'enlevez, ne laissez pas traîner sur une table. Parce que s'il y a un enfant à la maison, le bébé peut venir toucher. Et vous ne le mettrez pas du tout à l'abri. Vous allez le mettre en risque. Dès que vous enlevez, lavez directement à l'eau chaude et au savon. Séchez, repassez s'il faut. Ne laissez pas vos masques traîner. Voilà. Le meilleur masque est celui qui couvre la bouche et le visage. Ça, c'est un masque qui convient. Comme ça, Yakuza. Mon nez est couvert, vous ne m'entendez même plus. Hein? Mon nez est couvert, ma bouche est couverte et le vent même n'entre pas. Ça c'est bon. Mais si le masque est Papa Wemba, tu vas voir ici c'est grand. Voilà, il faut faire des masques sur mesure, comme tu es là. Comme ça. Le nez est couvert, la bouche est couverte, il n'y a pas de trou ici. Vous voyez? Il n'y a pas de trou. Mais si le masque est trop gros, ça ne protège pas le visage. Si le masque est trop petit, ça ne va pas protéger le nez et le visage. Voilà. Donc, j'enlève le masque, le temps de vous dire au revoir, le temps de vous souhaiter une bonne rupture, une bonne prière du vendredi, bien sûr, que vous passerez à la maison. N'allez pas vous exposer dehors tant que vous pouvez prier à la maison, prier dans la cellule familiale, parce que là-bas, au moins, vous connaissez le statut sanitaire de chacun. Je vous remercie d'avoir suivi et n'oubliez pas, précisez en commentaire l'heure qui vous arrange sur les prochains directs. Aujourd'hui, j'ai fait à 11h. Alors, si c'est 11h ou 15h ou 21h, c'est ça. c'est Koukaba. Oui, parce que je te jure, j'ai vu des masques Papa Wemba. Quand tu vois certains masques, il y a l'esprit là, tu peux même mettre ta main dedans. Tu peux même mettre ta main dedans. Et donc, il faut trouver des modes comme ça. Yakuza, comme tu vois dans les films de karaté là. Ça, c'est incognito. Quand tu portes comme ça, même le virus ne va pas te reconnaître. Comme ça, même le virus ne va pas te reconnaître. Ok, allez, bye bye.